Salut, je m'appelle Creator. Je viens de la planète Écolion que tu vois derrière moi. Elle est petite et se situe dans une autre galaxie. Mon souverain Director m'a envoyé sur Terre pour t'enseigner. Et si je reçois plein de gemmes et d'abonnés, je deviendrai même un super-héros sur ma planète. Les dinosaures ont vécu il y a des millions d'années sur la Terre, avant tout être humain. Même s'ils ont disparu depuis fort longtemps, ils nous fascinent toujours encore. Partons ensemble à la découverte de 5 d'entre eux. Le Tyrannosaure Rex, le Triceratops, le Diplodocus, le Pteranodon et le Mosasaurus. Le Tyrannosaure Rex est le prédateur le plus connu de son temps. Il mesurait environ 13 mètres de long et 6 mètres de haut. Il régnait dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord. C'était un très grand carnivore. Les scientifiques pensent même qu'il pouvait avaler jusqu'à 230 kg de chair en une seule bouchée. Il était très intelligent. Son cerveau était très grand comparé à d'autres carnivores. Le Tyrannosaure Rex, appelé aussi T-Rex, avait de fortes cuisses et une puissante queue, ce qui lui permettait de contrebalancer son poids. Le savais-tu? Le Tyrannosaure Rex signifie « roi des lézards tyrans ». Grâce aux découvertes, les scientifiques ont pu refaire une reconstitution. Voyons voir à quoi il ressemblait. Ah oui, il fait vraiment très peur. Le Triceratops était un herbivore, faisant partie du groupe des Ceratops. Il se déplaçait surtout en Asie et en Amérique du Nord. Son nom signifie « visage à trois cornes », même si en réalité il n'en possédait que deux. La troisième corne plus courte, qui était située à l'extrémité du museau, n'était en réalité qu'une protéine molle appelée kératine. C'est la même matière que l'on retrouve dans nos ongles. Ces deux vraies cornes sur le dessus pouvaient mesurer jusqu'à 1 mètre. Pour soutenir sa grosse et lourde tête, il lui fallait un corps solide et robuste. Le Triceratops pesait donc entre 5450 et 7250 kg et pouvait atteindre une vitesse maximale de 16 km/h. Le savais-tu? Son bec ressemblait beaucoup à celui d'un oiseau. Voyons voir sa photo. Ah oui, effectivement, un corps solide et robuste. Le Diplodocus était un gigantesque dinosaure qui se déplaçait à la vitesse d'une tortue. Le dinosaure pouvait mesurer jusqu'à 35 mètres. C'était un herbivore avec un très long cou et une très longue queue. Ses pattes arrière étaient plus longues et du coup, ses hanches étaient plus hautes que le reste de son corps. Son corps penchait donc vers l'avant. Sa grande queue lui permettait de contrebalancer son poids. Son long cou était très pratique, car il lui permettait d'accéder à la nourriture en hauteur, en haut des arbres par exemple. Le Diplodocus pouvait vivre jusqu'à 100 ans. Le savais-tu? Le Diplodocus avait une croissance rapide qui ne s'arrêtait jamais tout au long de sa vie. Voyons voir un peu. Ah oui, effectivement, très pratique ce long cou pour attraper les feuilles tout en haut de l'arbre. Le Pteranodon était un large reptile volant. Il se nourrissait d'autres animaux. Son nom signifie « aile édentée ». Son bec ressemblait beaucoup à celui des pélicans d'aujourd'hui. Il mesurait entre 7,5 et 9 mètres et pesait entre 15 et 17 kilos. La plupart des scientifiques pensent que c'était plutôt un planeur, qui battait seulement des ailes quand il en avait besoin et que pour le décollage, il se jetait du haut des falaises. Le savais-tu? Le Pteranodon n'avait pas de dents. Voyons voir sa photo. Ah oui, il a de grandes ailes. Le Mosasaurus. De nombreux scientifiques disent que ce n'était pas un dinosaure, même s'il vivait à la même époque, mais que c'était plutôt un énorme lézard aquatique. D'ailleurs, son nom signifie « lézard de la Meuse ».
Ce nom lui a été donné suite au premier squelette trouvé dans le fleuve de la Meuse en Europe. Il pouvait mesurer 18 mètres et peser 15 tonnes. Le savais-tu? Le Mosasaurus passait la plupart du temps dans l'eau, mais qu'il était capable aussi de respirer à l'air libre, comme par exemple les baleines. Voyons voir la reconstitution. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à une baleine. J'aime beaucoup le pteranodon parce qu'il sait voler comme moi. Et toi, lequel des cinq tu préfères? Le Tyrannosaure Rex? Le Triceratops? Le Diplodocus? Le Pteranodon? Ou le Mosasaurus? Marque-le-moi en commentaire. Tu aimerais aussi des fiches, des jeux et des dessins sur les dinosaures? Alors n'hésite pas d'aller cliquer sur le lien dans le descriptif. J'espère que ça t'a plu de découvrir ces dinosaures avec moi. Moi, j'ai aimé passer un moment avec toi. Allez, à bientôt!